Ok, je t'attends. T'es là? Je suis en route. Attends, par où je dois passer? Tu montes, là? T'es où? Ah oui. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est 25 millions à côté. Non, c'est quoi cette monture? Laquelle? Celle à côté de laquelle je suis. Je vois pas où t'es. Là. Je sais pas où c'est, là. Ah. Regarde sur ta minimap. Je sais plus ce que c'est. Tu savais le chat ou pas? Après, c'est un cheval. Moi, je suis pas ultra fan des chevaux dans les montures. Non, mais c'est que je l'ai pas vu souvent, celle-ci, elle me dit rien. Ah, c'est la monture Garo PVP. Ah, ok. Bon, c'est mort. C'est quoi, Garo? C'est un truc dans le PVP. Ah, c'est vrai qu'il y a tellement de montures dans le PVP. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait que je m'investisse dans le PVP, c'est les montures. Il y en a plein, tout à fait. Ready? Pas du tout. Et bah, let's go. Maintenant, oui. Oh putain. Ça faisait longtemps. Oh, je me souviens jamais de ça, Antoine. Je commence le jeu. Est-ce qu'il faut faire un choix en particulier entre les mondes KO, Light et Shadow? C'est par rapport à votre région de départ, non? Oui, nous on est sur KO. Et ensuite, dedans, nous on est sur Spriggan, mais après, voilà. Sur Spriggan, il y a pas mal de Français. Ouais, sur Cerberus aussi, sur Moogle aussi. Je crois qu'il y a un serveur RP, mais je me souviens plus lequel c'est. Ok, et le dernier truc, il est où? Là. Il n'y a plus de place sur Spriggan. Mais après, c'est pas parce que vous êtes sur un autre serveur que vous pourrez pas jouer avec des gens de Spriggan, par exemple. Vous pouvez faire des missions intermondes et tout, ça se fait. Il y a un serveur, on a le droit de skip les cinématiques. Non. Pourquoi n'attends plus le son du jeu? Vous avez pas le son? Si, si, vous avez le son. Ah, parce qu'il pense que toutes les cinématiques sont doublées, peut-être? Ah, oui, non, c'est pas le cas.
Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Je rends la quête à Krill. Boum. Petite question, jusqu'au niveau 70 graphiquement, ça laisse la possibilité d'aller au bout de Realm Reborn. Encore mieux que ça, tu fais et Realm Reborn, et Evensward, et Stormblood. Tout à fait. Le jeu de base est deux extensions, et comme je disais, c'est entre 200 et 300 heures. Facile, vous pouvez faire encore plus si vous montez toutes vos classes au niveau 70. Tout à fait. Vas-y, je vais parler à Linu à nu. Ah, attends, je vais pas parler à Krill parce que je répondais du coup. Au moins 10 heures de jeu gratos, c'est quand même pas mal. Tu veux plutôt dire 400 heures? 400 heures, je pense que tu veux dire plutôt. 10 heures 10 heures, ouais. Je pense que c'est plutôt 400 heures. Je pense que même si tu skips l'entièreté des cinématiques et que tu lis rien, je pense que tu mets quand même plus que 10 heures. Largement. Oui, largement. Largement. Ouais, 700 heures, ouais. Ouais, facile 400, ouais, complètement. T'es prête? Non, j'ouvrais mon coffre. Attends. Ah oui. Ah, et du coup, c'est un meilleur équipement. Les 4 niveaux 50. Oh, ça a niqué mon outfit. Les 4 niveaux 50, c'est 10 heures en passant les cinématiques. Realm Reborn, c'est environ 12 heures en skippant toutes les cinématiques. Ben voilà. C'est bon? Tu parles à qui, Linu à nu? Oui. Go. Oui. Accepté. Ok, let's go. Zedibar. Je découvre juste un tout petit peu les zones au-dessus. Elle est trop bien la musique des fights. C'est une musique qui me plaît bien, c'est la musique de zone, je crois, tout simplement. Le tada, tada, non, non. Ça, c'est la musique des fights, ça? Bah oui, oui. Bah tu vois bien que ça vient de déclencher d'un coup et puis ça vient de partir. Oui, mais moi j'étais pas en fight, donc c'est pour ça que. Mais parce qu'on est dans la même équipe. Ah, c'est vrai que ça synchro, ça. Tout à fait. 125 heures ici, j'avais mis 1$ sur le jeu. Voilà.
Combien, 125 heures? Ouais. Mais même, tu peux faire genre 10 000 heures sans mettre un seul euro. Hein. Parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Oui, il n'y a pas de limite de temps. Moi, j'ai été en version gratuite pendant... un an et demi, je pense. C'est possible. On lui parle? Ouais, je t'attendais. Let's go. Alors, c'est un MMO, pourquoi elles jouent chacun de leur côté? C'est, bah, t'as des trucs que tu fais tout seul et t'as des trucs que tu fais à plusieurs, quoi. Absolument. Antoine, il y a une boule pas loin. Une boule? Un vent éthéré pas loin, pardon. Où ça? À 104 Yalm. Là, je le vois, il est là. Il est ici. Vous avez une CL qu'on peut rejoindre? Alors non, on a une CL, mais elle n'est pas ouverte. Désolé. T'as coupé, donc je vais répondre. Elle est qu'avec des gens qu'on connaît. Ou des gens que les gens de la guilde connaissent. Oui, voilà, c'est pas une compagnie libre communautaire, quoi. Exactement. Mais par contre, vous avez, comme Antoine et moi, on parle souvent d'FF14, il y a pas mal de gens dans nos communautés qui ont créé des CL de leur côté. Oui, bien sûr. De la communauté, il y en a plusieurs, quoi. Ok, je t'attends pour parler à Wookiee-vous. Attends, moi je vais prendre un instant pour regarder autour de moi ce qu'il y a. Même si nous sommes de nuit. Nu. Putain, c'est joli. Putain, ça me fait penser au village Piaf, un peu, ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Et comme c'est l'une de mes zones préférées de ce jeu, bah je suis très content. Après, vous allez Valo avec Zera? Non. Pas du tout. Absolument pas. Si on a un donjon, tellement, tu vois, mais pour l'instant, on n'a pas de truc. Non, t'as pas entendu. Il m'a demandé si on allait Valo avec Zera. Valorant, le jeu Valorant. Ah, non. Non. I wish, but not today, quoi. Ah non, pas aujourd'hui, non. C'est hors de question. Mais pourquoi il fait du Valo, Zera, là? Oui. Mais il a un match, surtout, je pense. Je n'en sais rien, je réponds juste à une question de quelqu'un du chat, c'est tout. Je ne sais pas, oui, Zera, il casse, ouais, tout à fait. Et voilà, il casse, je pense. Vas-y, je parle à... Je pense qu'il va faire la gueule si on joue sur à Valo, là, tout de suite, et qui spectait, je pense qu'il va faire la gueule, quoi. L'équipe, elle va pas gagner, je pense. C'est un match mandatory, ouais. Vas-y, je lui parle. Merci, Antoine. Let's go. Oui, il faut lui dire le salut qu'on a eu tout à l'heure, là. Coucou, Kalis. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Coucou, Kalis. Allez, comme à l'entraînement. Coucou, Kalis. Oh, Kali. Oh, Kali. Bon, on dirait que cette déplumée s'est saluée convenablement, au moins. Sa voix est cool. Oui. À Okanu, on fait comme les Anuanu. Dans un royaume fédéré comme le nôtre, il est important de respecter les traditions de chaque peuple. Ah, c'est donc pour ça que tu connais si bien la culture locale. En tout cas, t'as raison. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut d'abord apprendre à se connaître mutuellement. Eh bien, voilà une jeune femme qui a la tête sur les épaules. C'est vrai qu'on dirait la musique de Banjo-Kazooie, par raison. D'ailleurs, en parlant de ta tête, elle me dit quelque chose. Princesse Oklamath? Toutes mes excuses, Votre Altesse.
Je n'aurais jamais imaginé vous rencontrer ici. Moi qui vous sermonnais sur la politesse, c'est un comble. Soumiva. Oh. Je vous en supplie. Décapitez-moi avant que je ne meure de honte. Quoi ? Non mais ça va pas la tête ? Tu n'as offensé personne, bien au contraire, je déteste le protocole. Ah, tant mieux alors. C'est ce qu'on appelle un personnage haut en couleur. En fait, le palanquin pour la procession d'Ihana est cassé. On aurait besoin de rondins du Yuipo et de... pierre d'Abukisha, je crois. Ma foi, ce serait pour moi un immense plaisir de vous venir en aide. Mais à mon grand regret, je suis à court de ces matériaux. La dernière tempête était d'une violence inouïe. J'ai donc utilisé tout ce qu'il me restait pour réparer les maisons sinistrées. Je peux vous avoir le tout, disons, sous 10 jours. Malheureusement, le temps presse. Dis-nous juste où trouver ces matériaux. On va aller les chercher nous-mêmes. Absolument hors de question. Foi de Ukevu, la bienséance m'interdit formellement de vous faire travailler comme une vulgaire coursière. C'est un anxieux social, lui, je crois. Il peut. C'est bon, arrête maintenant. Fais pas de chichi. Ah, tant mieux alors. J'aime bien comment il est. Tant mieux alors à chaque fois. Tiens, sinon, qui est ce Anu-Anu ? Ouh, je suis le responsable de la procession d'Ihana. Je suis venu pour veiller à ce que le palanquin soit bien réparé. J'ai encore mes doutes à ce sujet, mais Ouklamat et ses amis affirment qu'il émettrait une aura magique capable de résoudre notre problème de roseau. Votre Altesse connaissait donc la fonction véritable de la procession d'Ihana. Impressionnant. Beaucoup de Anu-Anu l'ignorent de nos jours. Quelle culture, si vous me passez l'expression. Ah, bien sûr, évidemment que je le savais. En ce qui concerne les rondins du Yuipo, permettez-moi de vous accompagner jusqu'au coin de forêt où ces arbres poussent. Quant aux pierres d'Abukisha, je pense que vous pouvez vous en charger. Vous les trouverez en abondance près de la grotte de Kikitola. Kikitola ! Kikitola, c'est très mignon. Je sais où elles se trouvent. Je peux vous y guider. Avec grand plaisir. Putain, le premier donjon, quoi. Voilà une affaire qui roule. C'est parti, les amis. Putain, c'était un petit soumis de Jean-Michmuche. Non, c'est pas Jean-Michmuche, c'est Kaboul. C'est aussi un Jean-Michmuche. Je reviens avec des informations prometteuses. Non, c'était l'autre, c'était Mikote que t'as appelé oui. Jean-Michmuche. J'aime bien parce que pour l'instant, on dirait vraiment une quête annexe, en fait. Dans le trail. La procession d'Ihana. Après, toutes les extensions commencent de façon assez chill, non ? Bah, celle-là, plus que les autres, carrément. On pourra toujours leur tomber dessus si notre plan d'origine échoue. Excuse-moi, Evansward commence pas de façon chill. Hein. Non, c'est vrai. Finalement, Princesse Mistigri nous sera peut-être utile. Il rit en silence. Il rit. Mais oui, ça fait très... On dirait presque des quêtes tribales, en fait. Un peu, ouais. Mais oui, ça commence léger. J'avais été décontenancé au début d'Endwalker. Parce que le ton est très léger au début. Mais surtout, c'est décontenançant parce qu'on s'attendait à ce qu'Endwalker soit très grave. Oui, bah surtout avec ce qu'on venait de vivre dans The Ringer, on était un peu en mode oula. Et en fait, c'était assez léger et bah tu te retrouves à récupérer un sans crête qui a la gueule de bois au début, t'es un peu en mode oula. Exactement. Vas-y, je parle à Linua Anu. Oui. Kikitola.
contre, j'avoue, moi, le putain, truc... Putain, l'oiseau bleu, la meuf à côté... Eh oui. Moi aussi, je suis sur un palanquin. Alors attends, je voulais checker un truc, je viens de penser. C'est où déjà? Ça va être les vents éthérés, ils sont où? Déplacement. Ah, ok. Il y a bien 10 vents éthérés à récupérer. Ah, il y en a 10 là? Ouais, il y en a 10 à récupérer et après il y en a 5 de quête. Parce qu'il y a un truc que je regrette, c'est dans les anciennes extensions, quand c'est plus la dernière en date, c'est pas, ça passe à 5. Ah. Donc moi, chercher les vents éthérés, c'est un truc que j'aime trop et oui, je regrettais un peu qu'il soit passé à 5, mais là il y en a bien 10. Parce que je suis contente. C'est où déjà la boussole? C'est dans. Moi je l'ai mis en raccourci carrément. Ouais, mais il est où de base déjà? Et c'est pas dans tes objets, dans ton inventaire et non, c'est genre les objets précieux? Objets précieux, c'est où déjà? Ah non, c'est ça m'a pas là dedans. Non, on a commencé par celle-ci, J-Crow, en termes de zone. Objet précieux. Ah, la boussole terrestre, elle est là. Hop là, je la mets ici. Et moi, je l'ai mis en raccourci. Oui, moi aussi, côté, je l'ai mise en raccourci. Oh bah tiens, je vais en récupérer une qui est à l'est. Il y en a un qui est par là, apparemment. Ah, mais est-ce que je vais pouvoir y avoir accès? Je pense pas... Ah, mais pas par là, peut-être. Enfin, à moins que ce soit au bord, mais je pense pas, attends. Ah non, ça sera pas là. Ça sera de l'autre côté de la rive, 100%. Parce que là, je crois pas que je puisse traverser, non? Si, peut-être. Je sais pas. Oh, si, je vais pouvoir traverser, ça. Ah, si, je peux nager, je peux. La carte est foutue, tu peux traverser? Ouais, ouais. C'est une rivière. Ouais, autant faire les vents. Enterrer les boules bleues, c'est le main content. Bah, en vrai, moi, c'est un content que j'aime trop. Hein, oui, moi aussi. J'adore ça. Oui, j'ai bien vu ça avec les boules stars. Ah, les boules bleues, hein, moi, c'est... ça, c'est moi. Antoine, ça. il était à Toys R Us tout à l'heure. C'est ma petite marotte, quoi. Hein. Ma petite marotte. Après, c'est moi la vieille personne. Sud-est. Ah, il est ici. Ah ouais, ils ont vraiment fait un effort sur la végétation, sur cette zone-là. Là où ouais, Tavener, je trouvais que c'était vraiment un peu vide. Voilà, du coup, je suis en train de récupérer des vents éthérés. Hein. Ah bah merde, moi je suis au truc de la prochaine quête, moi. Ah bah regarde où je suis sur la map, hein. Oh bah non, Antoine, mais tu te spoil la zone. Mais c'est comme ça que je joue. Et même les vents éthérés, en fait, j'aime bien les récupérer, comme ça c'est fait. Oh, c'est des alpagas de relais dans ce truc, en fait. C'est pas des chocobos, ils ont des alpagas. C'est ce qu'elle a expliqué au début, ouais. Oui, mais je viens de voir un mec du relais avec un petit alpaga à côté et genre il est trop mignon. De toute façon, tu vas l'avoir en monture. Ouais, voilà, de toute façon, ouais, t'auras la monture, c'est sûr. Oh, attends, il y a le vent éthéré là. Hop là, embarcadère de Poga. Envie de m'éthérer la boule bleue, calmez-vous le chat. La petite boule bleue là. Pas trop de détails. Là, vous êtes dans l'overshare là. Mais non! Je pensais que ça s'arrêtait. Attends, j'arrive. Je prends le vent éthéré et je me TP à l'éthérite où t'es. Les vents éthérés, si vous ne savez pas, c'est ce qui, quand on les récupère tous, ce qui nous permet de voler dans la zone en question. Oui, parce que pour l'instant, on ne peut pas voler. Non. Dans les nouvelles zones, la musique, elle est trop bien. Ok, je me TP à l'éthérite où t'es, j'arrive. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, mais tu t'es TP et moi, j'ai accepté la TP, je ne sais pas pourquoi. Réflexe. Ça va, c'est juste là. Non, mais j'ai cru que j'allais à l'endroit où tu étais toi avant et je me suis dit bah non, ça n'a aucun sens. Non. Non, mais j'ai overreact et après j'ai réfléchi, ça m'arrive souvent, Antoine. Très bien, pas de soucis. Ok, je parle à Krill. Direction le sud-ouest, Toulouse, let's go! Boussole, qu'est-ce qu'on a? Sud-ouest? Ah bah c'est pile par là où on doit aller. Bah ouais. En vrai, il y a plein de vents éthérés que tu récupères juste en suivant les quêtes de la zone. Ouais. Oh, j'aime trop la musique de la zone.
Et j'aime beaucoup la musique des fights aussi là. Ah, tu t'es fait accro. Oui. À l'ouest il est. Bon attends, on va aller le chercher celui-là. Oh, cet oiseau, je l'ai jamais vu celui-là. Trop beau. Je crois que je l'ai. Ah ouais? Ouais. Oiseau rouge et bleu là? Ouais, bah c'est celui que t'avais pas récupéré je crois. Non, je les ai tous, les plus où? Non, il y avait une quête timée et tu l'avais pas faite, je crois. Ah merde. Mais attends, c'est où là? À l'ouest. Ah, il est là. Ah, oui, bien. Ouais, c'était l'événement des 10 ans, tout à fait. Ah oui, j'avais le seum, ouais, je suis arrivé, il y avait la maintenance déjà. Enfin, c'est, il est où le... Ah, c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est ça. Oh c'est ça. Ouais. Il est vraiment trop beau. Remintos. Ouais. Je sais pas s'ils le mettront dans la boutique à un moment donné ou pas. Attends, je vais juste découvrir la zone au nord. Ça fait de l'XP en plus. C'est vrai. Ah bah non, c'est reparti. De quoi? La papote. La papote? Ah, de ton côté. Ok, je suis devant l'Inuanu. J'ai croisé un vraiment tout petit Lalafell. La honte. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus les Lalafell sont petits. Hein. C'est terrible. Moi, de mon temps, les Lalafell étaient plus grands. Hein. True. Attends, c'est quoi cette mascotte? Ah, c'est pas un truc que t'as sur l'île, ça? Si, des montures, oui. Tout à fait. L'île, c'est vraiment un truc que j'ai... sur lequel je me suis pas du tout penché encore. C'était pourtant le endgame de Endwalker. Ouais, mais moi, j'avais tellement jamais profité du endgame tout le temps que ce que j'ai fait, c'est que j'ai principalement monté des classes de craft et de... Ouais, non, bien sûr. Mon mage blanc, mon mage noir un petit peu aussi, donc je me suis un peu dérota, d'ailleurs. Ok, vas-y, on lui parle. Let's go. L'éléphant, tu l'as chopé comment déjà? Quête tribale Ananta. Ah, les Ananta, ouais. C'est beau avec le puits de lumière là. Ouais, c'est trop beau. La lumière est vraiment jolie là. Ah, quand on est ensemble, on peut taper le même truc. Ah ouais, ok. Et oui. Et c'est possible de nous jouer qu'une seule classe, bien sûr. Rien ne t'oblige à... Rien ne t'oblige à quoi que ce soit. Ah oui, moi pendant giga longtemps, j'ai fait qu'une seule classe. Hein. J'ai fait barde. J'ai fait barde jusqu'à la fin de Ringer sans jamais toucher une autre classe. Bien sûr, tu peux jouer tout le temps une seule classe si tu veux. Oui, mais j'explique que c'est mon expérience. Non, mais il y a quelqu'un qui a rajouté, qui a dit est-ce que c'est possible de jouer qu'une seule classe? Et la personne est-ce a rajouté que ensuite. Est-ce que c'est possible de ne jouer qu'une seule classe? Là, on répondait et il a rajouté tout le temps, je veux dire. La réponse est oui. Et après, bon, voilà, c'est aussi cool de jouer aussi les classes de. Enfin, les jobs, quoi. Craft, récolte. Ah, celle-ci, j'ai jamais vu cette monture aussi. Je crois que je me demande si c'est pas une monture de Rekka, je suis plus sûr. Je sais plus où est-ce qu'on l'a celle-là. Ah non, c'est peut-être la monture des dragons de Shadowbringers. C'est comme les chevaux ou les loups. Ah, ok. Je sais pas. Si ah, non, c'est, ah non, c'est la monture de parrainage. Faut parrainer 5 personnes. C'est-à-dire parrainer? Quand les gens s'inscrivent sur le jeu, tu dis est-ce que tel joueur m'a parrainé et voilà. Oh, mais nous, il faudrait qu'on fasse ça, non? Bah, oui. On la chaufferait facilement. Oui, effectivement. Oui, c'est Twintania, tout à fait. Vas-y. Et la soucoupe volante, c'est quoi? Quête du gentilhomme.
Ah. Quête du gentilhomme, quête de... d'armes reliques d'Anne Walker. Ok. Ok, let's go. Cinématique. Non doublé, bien sûr. Ok. J'y retourne. Il y a eu un truc au nord-ouest. Ouais, 33. Pim, pim, pim. Objectif de Florence, avoir toutes les montures. Putain, c'est impossible. Impossible. Avoir toutes les montures. Non, mais en vrai, n'importe quel joueur de MMO a envie d'avoir beaucoup de montures et beaucoup de mascottes. Enfin, genre, pour moi, c'est un aspect vraiment... Oui, complètement. De n'importe quel MMO. Et surtout, quand c'est des montures qui sont un petit peu difficiles à obtenir, c'est vraiment un caveman, quoi. Complètement. Mais attends, ça a changé, c'est plus la même? Non, on a poursuivi une mauvaise route. Non. Non, moi, je cherchais une qui était... Ça a rallongé le temps, donc il doit y en avoir deux à équidistance. Ah oui, carrément. Bon, attends, je vais prendre celle qui est à l'ouest, du coup. Comment ça, bof, en vrai? Bah si, carrément. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un aspect... Putain, mais ça change à chaque fois. Peut-être que pour vous, non, mais il y a... Enfin, la plupart des joueurs de MMO, en général, ils sont des fans de montures et de mascottes, quoi. Mais parce que je vais à l'est, putain, je suis un bouffon. C'est parce que je vais à l'est, je suis trop con. Ah, du coup, tu vas la prendre? Ouais, je suis pas loin, mais j'arrive. Est-ce que je suis très con, j'allais à l'est. Pas vu une seule boule bleue pour l'instant. Ouais, j'avoue. Je m'en échappais 3 dans Tuliolal. Mais ici à Kozamauka, j'en ai pas trouvé encore. Je sais pas si elle est sans monture. T'en as combien des montures, Antoine? J'en ai 105. Ouais, j'en ai 39, c'est pas tant que ça en vrai par rapport au temps que j'ai joué, mais j'ai juste pas assez farm en vrai. Il y en a plein que j'aurais pu choper des quêtes tribales, mais j'ai profité encore. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé une boule bleue. Oh, il doit être en haut de l'arbre la boule bleue. Allô? Oui. Je sais pas si tu voulais que je te réponde. Bah, si je te pose la question, de toute façon, je serais allé voir. Parce que moi, les boules bleues, j'aime bien les découvrir par moi-même, donc... Ah, pareil, bien sûr. Putain, la vue est vraiment sympa de là-haut, en plus. Ça va faire des G-poses d'ici, là. G-pose. Petite boule bleue. Regarde ici, là où je suis, là. Bon, hop là, voilà. Comme c'est joli avec la végétation, ça rend vraiment trop bien, je trouve. Hein. Ah ouais, ça rend bien. Par contre, je meurs d'envie de faire pipi. Vas-y. Je reviens. Yep. Je remets la cam dès qu'elle revient. Ouais, vraiment, là, tu vois vraiment que l'update graphique... ils auraient pas pu faire une zone comme ça, en vrai. Thank you.
Ah, la musique elle est vraiment cool. Ça a pris la boule bleue derrière. Petit côté Xenoblade 1 sur ce plan. C'est vrai qu'on dirait la plaine de Gore un peu, effectivement. En fait, c'est ces trucs-là, ouais. Faut une bonne machine pour faire tourner le jeu. Globalement, ça va sur un setup un peu âgé. Bah, je saurais pas te dire. En vrai, c'est semi-exigeant, je dirais. Merci à Zertilt pour le Prime. Samorek les 4 mois, Nolwenn 18 les 3 mois, Rafale VTS les 45 mois, Ephedrel les 3 ans. Et ton poisson, je suis vraiment trop deck de l'avoir loupé. Ouais, dis-moi, Mayaba il est 13 mois. Et ouais. Mais je pense qu'il reviendra, non? J'en ai aucune idée. Les récompenses des mémoires, c'est en général, ça tend à revenir, non? Rassurez-moi le chat, je vous en supplie. Bah, certaines oui, certaines non. Allez, je descends. C'est dommage que la musique elle loupe pas par contre. Il nous laisse un petit silence, là. Ah, c'est possible de l'avoir avec le servant ? Ah oui, tu peux... Ah, il est là, le vrai intérêt. Tu peux... Oui, le servant peut te ramener des mascottes, effectivement. Il est là. Ah, j'avais commencé à faire le tour de l'arbre, et puis après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas là, ça va être au-dessus. Et j'ai pas fait à 100% le tour de l'arbre. Ah là 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 là. Dommage. Quelle erreur. Mais au moins, j'ai eu la boule bleue. C'est vrai. Si j'avais trouvé le vent éthéré ici, est-ce que je serais monté jusqu'en haut? En vrai, je pense. Bon, vas-y, allons à la quête, parce que l'autre est au sud, et là-bas, il y a une éthérite. Je pense pas que ça a pas l'air d'être une zone à la Tavernaire ou à la Labyrinthos, qui est séparée en deux, tu sais, où tu dois revenir plus tard pour faire la deuxième partie. Ouais, je me souviens, bien sûr. Parce que le niveau des aléas, en fait, c'est vraiment que autour du niveau 90. Si c'était d'autres zones, ça serait un niveau plus fort, en fait, globalement. Y'a plus besoin de faire des quêtes bleues pour débloquer le vol. Si, t'as besoin d'en faire 5. Et plus les 10 vents éthérés. 5 quêtes bleues de vents éthérés et 10 vents éthérés à récupérer. Ouais. Remintos. Ça débite, hein. Alors c'est bien ? Oui, bah, j'ai fait le premier défi. Ah, Valigarmanda. Hein ? Non, dis pas. Bah, je crois que c'est... Bon, il me semblait que c'était Valigarmanda. Je pense que c'est ça, mais je veux pas la confirmation. Je te suis, mais je suis pas sûr que tu fasses de façon plus option, toi, non ? Peu importe, je sais pas. Attends, mais pourquoi on est là ? Comment ça, pourquoi on est là ? Bah, parce qu'on a fait un détour, non ? Mais non, faut aller là-bas, là où je vais. Ah non, ok. J'ai l'impression qu'on avait fait un détour. Pas du tout. C'est quoi la mascotte que t'avais ramené ton servant pêcheur, Antoine, une fois que je t'avais dit... Pêcheur trop... Ouais, j'ai pas de servant pêcheur. Un de tes servants, t'avais ramené une mascotte et j'avais dit putain, t'as trop de la chance, je t'avouais trop. Le chihuahuaf. Oui. Oui, le chihuahuaf, c'est un servant qui me l'a ramené, effectivement. C'est très bien. Ah bah j'ai hâte de voir ça alors, Mintos. Ça parle. Bah oui, c'est, on ouais, connaît. Ça fait 14 hein. Oui, mais même dans les... Y'a une boule bleue là-bas. Putain, y'a pas de boule bleue là. Trop deg. Par contre, là, y'a un vent éthéré au sud-est. Je crois que je l'ai déjà récupéré, celui que j'ai récupéré tout à l'heure. Ah, peut-être. Ouais, je suis à 250, donc... Vas-y, va le prendre. Ouais, effectivement, on pourrait penser qu'on peut pas y aller, en fait. Ici. Glou, je me noie. C'est vrai qu'elle est bien, cette ville. De quoi ? La ville principale, elle est bien. J'ai peur que ça fasse trop... Mais t'as déjà... Florence n'a jamais rien vu, donc ne spoil pas, mais t'as déjà vu les images de la deuxième ville, mec ?
Oui, je vois c'est quoi, et oui, je suis deg de l'avoir vu. Ouais, pareil. Ça casse les couilles. Ouais, ouais, c'est dommage qu'il l'ait montré, hein. Oui. Ça aurait été tellement... C'est pour ça que moi, je slalome toujours entre... Enfin, j'essaie de regarder le moins possible, à part le trailer, que je trouve vraiment cool. Et en vrai, j'ai re-regardé le trailer de Endwalker il y a genre 2 jours, et je me dis, putain, c'est fou le nombre de trucs qu'il montre, en vrai. Oui. Oui, effectivement. Mais surtout la toute première partie d'Endwalker qu'il montre. Oui, mais... Mais oui, je pensais que ça les ferait trop Razatan, mais non, en fait, non, ça. Oui, ça me faisait... Oui, j'étais oui, en mode... Oui, moi aussi, j'avais peur que ça fasse trop Razatan, mais en vrai, on voyait vraiment la différence, quoi. Tout à fait. Vas-y, je t'attends... Et t'as récupéré celle qui est franchement à l'est, Antoine, ou pas? Non. Ok, bon, moi, je reviens, là. Enfin, quoi que, je sais plus. Je... sais plus. Peut-être, en vrai, je sais plus. De toute façon, on va passer un cran pour les vents éthérés, hein. Non, mais c'était juste pour savoir. On s'info voilà, juste sur la mignonne, elle m'a attaqué, merde. Alors que la mascotte Gros Minou, mais je l'ai même pas la mascotte Gros Minou alors qu'elle est assez commune. Le Gros Minou. Je sais même pas comment on la chope la Gros Minou, mais je pense qu'elle est facile parce que... Je suis pas sûr. Il y avait une mascotte que j'avais trouvée d'une façon totalement aléatoire. C'est le mini Pampa. Putain, je vois... où en ah, fait oui. Elle est cachée derrière une quête Osef. Oui, une quête, dans le Tanalan, ouais. Quête jaune quoi. Et en vrai, quand t'acceptes cette quête, elle te débloque une autre quête. Ouais, c'est moi qui te l'avais dit parce que j'avais flex avec ma mascotte devant tout à toi fait. Parce que je savais que tu l'avais pas. Tout à fait, je l'avais jamais vu. Savant pêcheur, hein, mais faut décidément, faut vraiment que je fasse un savant pêcheur en vrai. Mais en fait, faut que je me penche sur les servants. Je sais que les servants, suivant l'aspect qu'ils ont, ils ramènent pas les mêmes choses. Et du coup, faut que je regarde le truc le plus intéressant en premier lieu. Parce qu'après, vous faites quoi vous, une fois que vous avez tout chopé, vous faites un respec ou... Tout choper, c'est-à-dire? Ben, en fait, j'avais cru comprendre, vous pouvez me contredire si je dis de la merde, hein, parce que je n'ai pas encore poncé cet aspect du jeu, que les servants, suivant l'aspect qu'ils ont, ils ramassent pas la même chose. Exactement, tout à fait, oui. Et du coup, je voudrais regarder, genre, qui est le plus intéressant par rapport à ce qui m'intéresse. Je pense que pêcheur, très clairement, c'est le cas, tu vois. Et, bah, en vrai, moi, je trouve que les poissons, de manière générale, c'est un des trucs qui se vend le moins bien sur la jeu, en vrai. Ça oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que après, une fois que t'as réussi à récupérer les récompenses qui t'intéressaient avec ton pêcheur, est-ce que tu changes la spécialité de ton servant en ah bah non, barde, c'est assez... sèche, tu vois. Ah non, c'est non, moi mes servants ils ont jamais changé, j'avoue. Je pourrais, mais j'ai jamais changé. Ok, vas-y, on parle à Hook et vous. Pardon. On parle à Hook et vous. Ouais. Ok, je me TP. Oh, je ne vais pas me TP, je vais y aller. Je vais y aller comme ça. Est-ce que je tombe direct sur un mob et je meurs? Peut-être. Bonne chance à tous. Ok, non, c'est bon. Aucun problème. Pêcheur, c'est bien pour les mascottes que tu peux choper. Ok. Oui, apparemment, toi, pêcheur. T'as combien de servants, Antoine? T'en as plus que deux, non? J'en avais 3, mais tu sais, tu en as 2 gratos, et le 3, enfin, ceux que tu rajoutes, tu les payes avec du vrai argent. Et ouais. En fait, depuis, j'ai changé ma carte bleue, et j'ai jamais remis à jour pour le servant, du coup, j'en ai que 2 à l'heure actuelle. Et du coup, tu perds ton servant dans ce cas-là, ou il est non, genre... Non, il est toujours là, mais il est inactif, en gros. Ah, ok. Tu peux juste le réactiver ensuite. Oui, mais au moins, tu perds pas tout le stuff qu'il garde, etc, genre de choses. Non, effectivement. Mintos, t'es là? Non. Okay. T'as combien de servants? 2. T'as combien de soumis? 2 soumis. Je travaille pas les servants. Juste, je m'en sers pour mettre à la levée, mais... Ok, je t'attends devant la quête. Putain, bientôt le niveau 91, là. T'as pour moi, hein. Soon. Oui, enfin, soon, oui. Bon, plutôt soon, hein.
Ok, maintenant. Accepté. Hop là. Ah déjà. Vas-y, la quête suivante. Tu me dis quand tu la prends. Je suis dessus. Enfin, je l'ai accepté. Accepté. Go. Comment c'est une petite sieste? Petite sieste quoi? Power nap. Une power nap. Une power nap. From sauver le monde, tout réparer une barque. Absolument. Les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était. Pas vrai, Renville ? T'es en avance sur moi, je pense. Oui, oui. Ok. Quête acceptée. Merci Nostromo pour les 7 mois, merci beaucoup. Salut Hiroshima. Merci Azertil pour le Prime. Samorek, les 4 mois. Nolwen, merci beaucoup pour les 3 mois, merci beaucoup. Rafael VTS, les 45 mois, merci beaucoup. Hop là. Oui, Déconus Maximus, oui. C'est bien. Tout à fait, il va super bien. T'as fini ? Oui, mais je lis... Enfin, tu lis tellement plus vite que moi ? Oui, je lis assez vite, effectivement. Putain, y'a des gens, ils volent, quoi ! Bah oui, ils sont plus en avance. Je suis devant Ouklamat ! Est-ce qu'au-dessus, y'a des boules ? On verra ça quand on pourra voler. Non, non, mais là. Je crois pas, j'étais déjà monté. Y'a un escalier, quoi, donc...
Attends, elle est où la quête suivante? Elle est juste à côté en fait. Absolument. Absolument, Antoine. Je vais tuer Alfino. Oh non. Si. Oh non, c'est quand même un personnage important. Si, 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 si. Ciao, Alfino. Non. Ah, il est mort. Adieu, salope. Ça y est, il est mort. J'aimais bien ce personnage, je m'attendais à une fin un peu moins triste qu'écrasé par l'éléphant d'Antoine Daniel, quoi. C'est comme ça. J'ai bien cassé les couilles. Hop là. Ça dégage. Hop là. Alfino. Retrouver ton grand-père. Retrouver ton grand-père. Vas-y, je parle à Ouklamat. Tu passeras le bonjour à Louise de notre part. Je lui parle, hein, Florence, là. C'est malheureusement la seule solution, effectivement. C'est triste, mais c'est la seule solution. Oh non, un toucan Libri. C'est pour les braves du cristal. Il en a pas encore parlé, hein. Non, mais je pense que ça, il y a un moment où ça va revenir. C'est vraiment son marronnier, quoi. C'est vraiment... C'est le traumatisme de sa life, quoi. Faudrait penser à consulter pour deal avec ça, Alfino. Ah du coup ça le compte pour toi aussi quand je l'ai tué du coup lui ? Ça m'a donné de l'XP je crois pas. Non c'est pas une histoire d'XP, c'est une histoire de... Est-ce que t'as encore le truc à faire par terre ou pas ? Non. Ok. Non c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on avait déjà eu la situation. Ouais je voulais être sûr. Et je t'ai dit ça comptait pour nous deux. Je voulais être sûr. C'est joli cet endroit de nuit là. Ouais de fou. Prends celui de gauche, prends celui de droite, derrière toi, Florence. Bon, je fais les deux. Perdu. Pas très rapide, celle-là. Hop là, c'est bon. Écoute, attends, jette le petit pote à côté. Hop là. Attends, t'es vachement loin, Antoine. Je suis pas aussi rapide. Et ta planète, là, j'aime trop aussi ta planète. De quoi? Cette planète-là, je t'ai demandé mille fois comment tu l'avais eue. À chaque fois, tu me réponds. À chaque fois, j'oublie. Ah, c'est pas une planète, c'est un petit extraterrestre, c'est les quêtes Omicron. Ah, les quêtes Omicron. Mais c'était des quêtes de craft, c'est ça, non? Ouais, tout à fait, c'est des ouais, quêtes de... Ouais, pas de niveau, c'est pour ça que je les ai pas faites encore. Attends. Non, c'était des quêtes de récolte. Bah, c'est pareil. J'ai mon... Mes plus hauts, ça doit être niveau 65, un truc comme ça, je pense. Possible, je sais pas. Mais la musique de nuit de la capitale, quoi. Ouais, même la musique de nuit de là où on est, elle est trop trop belle, là. Ouais. Non, c'est j'arrive, pas un... J'arrive, Antoine, j'arrive. The Ken Cooked. Il a bien cuisiné. Voilà. Ah bah super. Ah, il y a un autre, là. Couché gros chat. Hop là. Et attends, au niveau des boussoles terriennes, on est où? Ah non, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Oh, à l'est, c'est... Non, c'est 266, c'est pas loin. Oui, je l'ai déjà pris, du coup, ça veut dire. Ah d'accord, ok, super. Eh ben, attends, je vais le chercher, du coup. Je t'attends devant le truc bizarre. Tu verras. Oh, il y a une boule bleue. Là. Boum. OV. C'est bon, j'ai pris la boule bleue. Et énorme. Merde.
En fait, j'ai jamais fait de quête de récolte et de craft avec les tribus barbares, je crois. Oui, il y a à chaque fois il y a une. Si, remarque, il y a pas les mog. Les mog, c'est craft, oui, tout à fait. Craft niveau 50 les mog, à 60. Je crois que j'ai même pas fini de débloquer les quêtes mog, elles sont à rallonge de fou. Tout à fait, c'est de la merde. Et je crois et j'avais dû prendre un tuto pour voir lesquelles c'était dans l'ordre et tout, et je suis pas sûre d'être allée jusqu'au bout. Typiquement, genre le truc, il y a plein de trucs que j'ai commencé et je me suis dit, ah vas-y, faut que je m'arrête là, et quand je relance le jeu, je pars sur autre chose. You ready? Pas du tout. Ah non, t'es pas là, pardon, je pense que c'était. Oui, je suis allée chercher le vent éthéré. Bien sûr. Ah oui, là pour le coup, 993, j'y vais pas là. De quoi 993? 93 Yalm, c'est pas à côté. Oui. C'est pas la porte à côté. Oui, le reste c'est dans le sud. Non, celle de R, j'ai pas tout fait en entier pour le coup. Y a pas les boules bleues en fait, et en plus il faut des températures et des trucs de météo particuliers, c'est chiant. Oh, y avait une fois où j'avais trouvé une boule bleue parfaitement au bon endroit, la bonne météo, etc. Mais c'était pas exactement l'heure qu'il fallait, genre. Ah oui. J'ai attendu et après c'était plus bon. C'est la météo a changé. Terrible. Cauchemar. T'es où? Ah, t'as pris la boule bleue? J'ai cherché la boule bleue au-dessus. You took the blue ball. I took the blue ball. Ok. J'appuie maintenant. Allez, quête moque, c'est vraiment long. Hein. Ah, pendant ce temps. On espère vraiment avoir mal entendu. Répète donc ce que tu viens de nous dire, vieux crouton. Ouvrez bien vos écoutilles cette fois-ci. La princesse Ouklamat m'a chargé de réparer ce palanquin, et c'est bien ce que je compte faire. Hors de question de vous laisser mettre vos sales pattes dessus. Le respect, ça se mérite. Et seul un rustre ignore les salutations d'usage. Quel dommage. On aurait tellement préféré régler ce différend à l'amiable. Allez, prépare-toi à crever. La situation est critique. Oui, dépêchez-vous. Ah, il a parlé entre parenthèses, quoi? Donc tout va bien. Ouklamat arrive. Ouh, pousse-toi, Oukevu. C'est mon devoir de protéger le palanquin. Regardez-le. Ses plumes vont tomber tellement il tremble. Je n'aurais jamais réussi à réparer le palanquin tout seul. C'est grâce à l'aide de Ouklamat et de sa suite que la procession d'Iana va pouvoir se tenir à nouveau. On m'en a confié la responsabilité. Si vous voulez le palanquin, il faudra me passer sur le corps. Ouh. Comme tu veux, Tia. Ça ne fera qu'un cadavre de plus à enjamber. Mais t'as perdu
C'est pas cool, Bakul. C'est ça votre plan? Voler le palanquin pour réussir l'épreuve? Et ça se fait appeler les enfants bénis. Enfants pourris, oui. Hop là. Trêve de bavardage, en garde. Bébou. Ça coule la merde. Attendez, maître. Avec votre force, vous risquez de les tuer d'un revers de main. Oh, le soumis. Notre autre plan est un succès. Nous n'avons plus besoin du palanquin. Ah, alors pas la peine d'écraser ces cafards. Vous ne perdez rien pour attendre, Tcha. Bah cool, Smash en passe. Lequel? Celui que tu veux. Celui avec la tête de lézard, oui. Mamouk continue donc de s'entêter à faire naître des doubles têtes. Quelle ignominie. Mamouk? Vous allez bien? Il vous a sacrément volé dans les plumes. Ouh. Ah, pas d'inquiétude. Malgré mes manières délicates, j'ai le cuir épais. Et sinon, c'est pas l'heure de la fête, là? Putain, oh, oui. Quoi, ils font sourire les Anu Anu, ça me fait gigabader. Ah, c'est terrible. Tu l'as eu aussi? Oui, je l'ai eu après, mais à... Ah, deux ouais. Secondes après. Me fait gigavader. Un peu trop de coke le poulet. Hop là. Vas-y, je vais lui parler pour rendre la quête. Now. Ah, les teintures. Ouais, mais c'est pas les teintures qui m'intéressent. Je vais prendre les pièces. Ah non, vas-y, prends les verres, teintures vertes. Trop tard. Désolé. Désolé. Ok, je vais parler... La question se pose, il se passe quoi si les deux tests se détestent? Ah, c'est pas évident, je pense. Je ne sais pas, j'avoue. Je vais parler à Wook et vous? Oui. Maintenant. Et j'accepte. Coucou Calice! Oui, ils se donnent des coups de boule, hein, tout à fait. Ils se prennent la tête. C'est énorme. Bien joué le chat, bien sûr. Oh non. Oh merde. Oh merde. C'est bon. Faut que j'aille parler à des gonzes, à trois gonzes et leur dire oh Cali! Quand la monture émette, ça je sais pas. Hein. Ça arrive fort, je pense. Prochain patch, je pense qu'elle est là. Hein.
La monture Mintos. Très très hâte de la monture Mintos. Tu montes sur Mintos là. Oh, Okali! Ouais, Asmo-sama, ils ont grave appelé serveur. Ils en ont rajouté aussi, ils ont rajouté des mondes. Bah, Chroma, coucou. Ok, je dois retourner auprès de Ukevu. Oui, j'ai un canard qui me suit tout à fait, n'est-il pas si mignon? Mon avis sur l'extension pour le moment, bah c'est très léger pour l'instant. Donc pour l'instant je fais pas trop donner l'opinion, bon, c'est très très cool. Les zones sont très jolies, la musique est très bien, mais pour l'instant l'histoire elle est vraiment... oui. Elle est vraiment... Quoi, c'est, on n'est pas sur les gros dos non plus. Mais ça on s'y attendait, ça on le savait. Même, c'est même pas juste le début de l'extension, c'est le début d'un nouvel arc même. Oui, exactement. Je pense que ça va devenir de plus en plus sérieux, plus ça va avancer, donc... Hop là. Oui, c'est chill, mais... C'est... Moi, ça me fait penser à des quêtes tribales, en vrai, c'est ce qu'on fait. Oui, un peu, ouais. C'est vraiment l'ambiance. Merci, Xelias, pour les 2 mois. 15 et DQ, merci beaucoup pour les 2 mois. Don Babarom, les 10 mois, merci beaucoup. Marion, pour le sub d'une durée de 3 mois, merci beaucoup. D'ailleurs, quand une extension sort, toute l'histoire est dispo, où il y a des patchs au fur et à mesure pour éviter le rush. Toute l'histoire est dispo, mais en fait, il y a deux... Enfin, une fois que l'extension est terminée, les patchs prolongent un peu l'histoire, mais on va dire que la fin de l'extension a fermé le plus gros de l'arc, quoi. Oui, oui. Et en fait, ça commence à emmener sur d'autres trucs. Exactement, ouais. Vous avez commencé par Kozama... Franchement, je sais pas. Si, si, on a commencé par Kozamaoka. Oui, la zone où on est actuellement, oui, c'est la première qu'on a choisie, effectivement. C'est Kozamaoka, tout à fait. L'autre, on l'a pas fait encore. Non, on l'a pas encore vu. Zone plus montagneuse. Où es-tu? Ah oui, tu arrives. J'arrive. Ok, je lui parle. Comme sur mes lives. Vous allez voir. Dès que je fais le FF14, tous les Anu vont se remuer le croupion. Ouh, Ukevu a tout à fait raison. Allez, allez, Uklamat, montez donc sur le palanquin. La procession d'Iana commence. Ma carrière. Hein. Tu me le diras pas deux fois. Non, les gens, c'était une blague, j'ai pas besoin d'être rassuré de quoi que ce soit, c'était une plaisanterie. À l'occasion de cette célébration, les Anu prient pour des récoltes abondantes. Ils sont pas l'habitude que tu fasses des blagues. Je revais bien d'autres significations. C'est aussi l'occasion pour ceux qui portent le palanquin et ceux qui se tiennent dessus de réaffirmer leur amitié, de souhaiter qu'elle dure éternellement. Ouh, un peu d'attention. Je compte sur vous pour porter la princesse Uklama comme si votre vie en dépendait. C'est grâce à elle que le festival peut à nouveau avoir lieu. Que vous y perdiez toutes vos plumes ou que vos épaules se couvrent d'hématomes, interdiction de la laisser tomber. Tradition de Soumi.
génial, j'adore. C'est énorme ce qui se passe. Ils avancent pas du tout. Hein. Avoir le ventre vide n'est pas une excuse pour tirer au flanc. Venez donc nous aider à porter le palanquin. Nom d'un serpent à plumes. Est-ce bien notre princesse que je vois sur le palanquin? Ces jeunes ont bien de la chance. La dernière fois, c'est Gulu Jaja qu'on avait dû porter. Ouh! On a assez de porteurs. Maintenant, direction Kozanuaki. Mettre la musique du même des porteurs de cercueil. Oui. Une coffin dance là. Regardez tous, la cérémonie touche à son apothéose. Le palanquin absorbe la ferveur des festivaliers et l'amplifie. La statue de Kitshai la redirige ensuite dans la terre, ce qui permet de dynamiser le flux éthéré. Très sympa. Et là, les quenouilles vont revenir, bien sûr. Oh! Très vite, même. La nature reprend ses droits. Réelle. Voici donc la bénédiction d'abondance prodiguée par Iana. La magie du palanquin n'était donc pas un mensonge. Incroyable. Époustouflant. J'ai jamais rien vu de pareil. C'est donc ça la biodynamie? Aïe aïe aïe. Bah en vrai c'est ça hein. Oui, c'est littéralement ce qu'ils veulent. Hein. Vas-y, je parle à Ouklamat. Même pour l'instant. Ah oui, le fou. Ah bah bien sûr, moi je suis ravi. Malheureusement, certains plans n'ont pas repoussé. Toute magie a ses limites. Mais je suis certain que si la cérémonie est renouvelée chaque année, il n'en paraîtra plus rien. Est-ce que ça suffit pour réussir l'épreuve ? Pour ça, pas d'inquiétude.
Parvenir à refaire pousser ne serait-ce qu'un roseau n'est pas une mince affaire. Tant de roselières sauvées ne peuvent être le fruit du hasard. Vous avez suffisamment prouvé votre détermination à accomplir cette épreuve. À nous filer la gemme. Oh, vous êtes parvenu à déceler les propriétés magiques du palanquin et à trouver une solution à travers la procession d'Iana. J'en ai le bec cloué. À vrai dire, je n'avais pas vu une telle abondance depuis ma prime jeunesse. Nous avons laissé le palanquin se dégrader. Résultat, sa magie s'est progressivement affaiblie et la procession d'Iana est tombée en désuétude. Ah, frérot ! Jean-Michemuche. Veuillez excuser mon retard, j'ai eu un léger imprévu. Mais puisque l'arbitre royal est là, je vais pouvoir immédiatement m'atteler à la tâche. Ah ouais. Oh, oh. Impressionnant. Il a mis des OGM aussi. Oui. Comment? Il a fait pousser les roseaux juste en les arrosant? Les roseaux dépérissaient à cause d'une stagnation du flux éthéré. Vous avez donc remédié au problème avec cette préparation alchimique aux fortes propriétés conductrices. Ainsi, en utilisant les courants aquatiques comme vecteur, vous avez rétabli une bonne circulation de l'éther environnant. Je ne saurais m'en approprier tout le mérite. Mode actualisé. C'est grâce aux enseignements qui m'ont été prodigués à l'Académie de magie, ainsi qu'au concours de Preux Charlayanais. Des Preux ? Regarde bien, Lamachi. Ce n'est qu'un infime exemple de ce qu'on peut accomplir avec le savoir éorzéen. Bien exploité, ces connaissances pourraient nous aider à résoudre la plupart de nos problèmes et nous éviter bien des gageures, comme celle de porter un imposant palanquin. Waouh, t'es le grand frère le plus intelligent de tout le Tural. Tout à fait, Arco. Ta solution n'était pas moins valide. Après tout, tu es arrivé au même résultat. Ouh, oui. Et voir la foule en liesse lors de la procession d'Iana, ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'on s'est amusé comme des petits fous. J'avais déjà visité votre village par le passé et je pensais tout savoir des Anu-Anu. Mais au travers de cette épreuve, j'ai découvert d'autres aspects de votre quotidien. Notamment l'importance des roseaux, ou encore la procession d'Iana. Tout à fait, Arco. J'espère que cette fois-ci, je suis enfin devenue une experte de votre culture. En tout cas, grâce au rite de succession, j'ai appris à aimer davantage ce village et ses habitants. Attends, Arco, je finis la cinématique. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Nous pouvons en dire tout autant. C'est grâce à vous et vos compagnons que nous avons redécouvert l'importance du palanquin pour notre peuple. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Ouh ! Il est d'ailleurs temps pour moi de vous remettre à tous les deux une gemme prouvant que vous avez réussi avec brio l'épreuve des roseaux. C'est là que les deux autres l'auront jamais, donc ils... Oui, je suppose. Bah du coup, c'est déjà mort pour eux, non ? Bah non, parce qu'il faut en avoir le plus possible, non ? Waouh ! C'est une gemme du rite de succession. Allez, allez ! Insère-la dans la tablette. Dans la manucure, hein.
Ça rentre pile poil. Encore 6 à rassembler. Sur ce, je vais prendre congé. Les célébrations, ça a jamais été son truc. Sacré frangin, va. Bah surtout, il passe au reste, quoi. Il passe à la suite. Ouh, nous vous réservons une place sur notre palanquin. C'est juste un caillou, un caillou magique. Ça sera pour nous un honneur de porter la reine du Tulliolal. Bon, il est temps de reprendre notre route. Merci pour tout. Portez-vous bien. Et ne mangez pas trop de roseaux. Avec des prétendants pareils, notre nation va encore se réinventer. Kuana a préparé cette décoction lors de ses premiers essais, mais elle devrait quand même fonctionner. Pas mal pour un simple tête. La fin justifie les moyens, et on est prêt à tout pour gagner, Ja. Mais c'est déjà trop tard. Jamais ils accepteront un mec comme ça. Okay. J'avoue que machin chose, là, il a vraiment tapé son meilleur oral de chimie organique, effectivement. En fait, c'est bien simple. C'est bien simple. Vas-y, je lui parle à Euclamat. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter juste à la... après avoir rendu cette quête. Hein. Oui, si tu veux. Bah parce qu'après, on va passer dans la nouvelle zone. Ouais, et là, il y a les... Ah oui, il faut se taper à Tulio, là. Là, il y a les quêtes bleues qui sont dispo dans... pour les vents éthérés, ici. Hein? Ou c'est dans l'ancienne zone, là où j'étais... Oui, mais c'est bon. Ah d'accord, bah j'ai pas vu, du coup. Hop là. Mais je me suis tapé un peu vite, pardon. Effectivement, tu es pressé. Non, je vais pas. J'ai une contrainte horaire qui fait que. Mais... Ok, je parle à Uklamat. T'es là ? Ah, mais attends, mais j'ai pas pris les vents éthérés. Enfin, les vents éthérés. J'ai pas pris les petites éthérites. Ah. Je vais aller plus vite. Je suis là. Continuez demain, tout à fait, oui. C'est bon. Ouais, on continue demain dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ouais. Tout à fait. Moi, je streamerai FF14 comme l'après-midi, de toute façon, donc. Et je lui parle. Hop. Putain, je suis vraiment à ça de passer niveau 91, vraiment à rien. Tu vas avancer en stream ? Ah, j'ai encore une petite... Ouais, j'ai quasiment 1 million. J'ai un peu moins... moi, je suis vraiment genre à moins de... Je suis à 200 000 de passer. Est-ce que je continue? Je vais revenir dans l'ancienne zone parce que j'ai pas compris de quoi tu me parlais du coup. Bah il y a les quêtes bleues des vents éthérés, comment est-ce qu'ils sont apparus? Les quêtes bleues des vents éthérés, pardon, oui, j'y étais pas du tout. Je pense que je vais faire hors live pour le coup. Ouais. Ah, enfin, en tout cas, il y en a deux qui sont apparus. Quel est le niveau max? 100. De toute façon, la dernière, tu l'as toujours quand tu quittes la zone avec la quête principale, je crois, non ? C'est souvent le cas, effectivement. Je sais pas si ça sera exactement le cas pour celui-là, mais...